Bon, bonjour tout le monde, on est reparti. Hop, seconde vidéo, second épisode. Donc, qu'est-ce que je dire de plus? Non, pas grand-chose à dire de plus. C'est juste que, comme vous avez pu vous rendre compte, mon image de caméra saccade, mais ça c'est normal. De toute façon, je crois que c'est le logiciel qui veut ça. Ouais. Il faudra que j'enregistre à part. En faisant autrement que la superposition pour que ça marche correctement. Bon, ça se lance? Oui, ça se lance. Ouais, je vous dis, mon PC commence à faire vieux, hein, le pauvre. Bon, on avait fini enfin, fouillé intégralement là, la première maison qu'on avait visitée. On est le quatrième jour, ça veut dire qu'il va falloir bouffer. D'abord, du repos pour tout le monde. Quoi. Au cas où. Au cas où, je sens venir le coup fourré. On va aller. On va aller se préparer à bouffer d'entrée. Au cas où il y a une intervention extérieure qui peut se ramener. Il y a des événements extérieurs qui arrivent qui fait qu'on peut. Qui casse correctement le projet de gestion qu'on a de la journée et de la nuit à venir. Donc. Surtout quand on a de la nourriture, faut vite la préparer. Parce que ça dure pas longtemps et surtout, sans se voler, c'est pas récupérable. En tout cas, tout de suite. Allez, Katia. Miam miam. Et après dodo. On a récupéré les 20 unités de bois, ça va nous permettre de pouvoir faire les deux barricades qui manquent. Et sur le coup, bah, on pourra pas faire grand chose de plus parce que plus de bois, bah, ça limite les interactions. On fera un petit tour du côté de la radio pour avoir les nouvelles aussi, ce qui se passe. Bon bah d'ici là, faut attendre vers 11h, 11h30 hein, pour que tout le monde soit reposé et faire quelque chose. Il y a des phases d'attente aussi, on peut rien faire. Donc il faut prendre son mal en patience. Ah ouais, qu'est-ce que je suis en train de vous dire? D'avoir ouvert la porte. Heureusement que vous êtes là. Un obus a touché un immeuble en bas de la rue et des gens sont piégés dans les décombres. S'il vous plaît, aidez-moi à les sortir de là. Nous avons besoin d'autant de bras que possible. Nous improviserons l'hôpital de fortune pour les blessés chez moi. J'ai quelques lits et des tours médicales. Vous voulez bien aider? Oui, bon, après il va être énormément crevé, le pauvre. Et en plus, il a pas mangé. Il va mourir de faim demain. Si un obus venait à toucher notre refuge, nous pouvons nous retrouver dans une situation similaire. Ils ont pu compter sur nous, j'espère que nous pouvons compter sur eux. Quand il va revenir, notre ami Boris, il va avoir très faim et très sommeil. Oh la vache. Eh ben, ça veut dire qu'on va pas bouger de la maison ce soir. Hein. Tout le monde au repos forcé. Hein. Parce que je vais pas partir en laissant la maison vide. Imaginez, ils vont tout nous voler. Oh, oh c'est hors de question. Bon, déjà midi et demi, hein. On se dépêche un peu, Katia, s'il te plaît. J'aurais moins offert une barricade. Ça, je pense que j'ai laissé des trucs. Ah, ouais, c'est vrai que j'avais laissé des trucs à l'intérieur, ouais, c'est vrai. Ça sera
sera bientôt fini, on va s'en sortir, elle a dit. Elle est de bonne humeur après le bourgeois ce qu'on vient de faire, tu m'étonnes. La barricade à côté juste du lit, bah, tu vois. On va aussi écouter la radio. Oh, c'était des nouveautés. Oh. Ouais, je m'étire parce que bon. Au moment où je fais le jeu, là, il est assez tôt. Hein. Même si j'ai pris mon café, mon petit déj, je suis pas encore réveillé, moi. Oh, purée. C'est ça, j'avais un pansement en rame. On va le garder de côté. J'aime bien, j'utilise des têtes de petites tables, je sais pas quoi là, pour monter d'un coup. Tu m'étonnes. Ah, d'autres atrocités commises par les militaires. Ce matin, un obus de mortier a explosé sur la place du marché bondé de Pogoreg, faisant des victimes et de nombreux blessés. Bah, justement de la personne qui est venue nous demander un coup de main. Vous voyez ? C'est QFZ, tout habillé. Fascinant, le temps, ça change pas. Bon bah voilà. Et donc il y avait le sparadrap en dessous, ok, enfin le pansement, je me comprends. Sparadrap. Et en haut c'est les médicaments et l'herbe. Après. Alors on va rien faire de plus, hein, franchement, non. Mais on va rester là. Elle monte la garde. Basta. Pas d'exploration cette nuit. Bah, sous le coup, vu les circonstances, non, je peux pas. Hein. Regarde la tête, on a été pillé. Les trois nourritures. Les carottes. Oh, ils nous ont volé toute notre bouffe. Ouais, il y a très faim, ouais. Il y a besoin de beaucoup de repos. Bah oui, oui. Nous devons faire en sorte d'avoir assez de nourriture pour tout le monde. Nous devons protéger notre refuge. Nous sommes fichus. Ils nous ont volé toute la viande et une légume. Il y a un peu d'eau. Sous le coup, j'ai quoi en eau? J'ai encore un peu d'eau, mais j'ai plus de bouffe. Merde! Pardon. Qu'est-ce que je vous disais? Oh! Mais oui! J'ai fait qu'une barricade au lieu de deux! Pas étonnant! J'ai pas assez protégé la baraque. Ah, oh, je savais bien que j'avais fait une bourde. Ah! Ah, oh, t'es con, Aurel. Tout ça parce qu'on a fait une bonne action avant. Bon bah, comme on dit, soit on a une conscience, soit on n'en a pas. Oh là 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 là. Faut absolument que Boris aille explorer demain. Enfin, cette nuit, pardon. Parce que sinon, on survivra pas. Il faut qu'on mange tous les deux. Lui et moi. Ah, elle et lui, pardon. Pourquoi je me suis inclus dedans? Je me suis inclus dans l'histoire. Non, mais Aurélien. Tu diriges les personnages. Tu n'es pas l'un d'entre eux.
Bon, il commence à faire froid, hein, que 16 degrés. Hein. Pour l'instant, on n'a pas besoin de chauffage, mais bon. On va pas la faire courir, hein. Elle est pas en état de faire des sprints. Hein. J'ai plus rien en ressources d'armes, hein, on est d'accord. Ouais, on a vraiment plus grand chose hein, dans la baraque. Hein. Ils ont beaucoup de pas mal de composants, mais il nous manque du bois. Justement, qu'est-ce qu'on peut envisager de construire pour l'avenir? Donc ça, oui. Faudra surtout du bois, parce que... Ouais. Pour Boris, ouais. Il sera pas levé avant 15-16 heures. Hein. Comme on dit, la vie n'est pas facile. Ouais, c'est barricadé. Je vais mettre un peu de musique d'ambiance. Cette musique-là, elle est trop austère pour moi. Toujours la même chose, les mêmes nouvelles. Bon, ça change pas. C'est juste une égratignure, bah, tant mieux, tant mieux. Ah, on peut rien faire de plus. Bon, maintenant on va aller sur le coup au côté abandonné. Quand t'as, tu continues à monter la garde. Et sur le coup, Boris. Pied de biche et belle. Ça change pas. Chaque fois qu'il est en mode chargement, sur le coup, j'ai le jeu qui marque ne répond pas. C'est-à-dire qu'il y a une petite quelques secondes de latence où le PC est en train de tourner pour essayer de répondre à l'exigence du jeu. Et le pire, c'est que c'est même pas à cause de l'enregistrement en cours. Non, non, non. Les pilleurs sont certainement partis à la hâte. Il y a encore beaucoup de choses ici. Ah bah tant mieux. Allez, on va aller doucement et prudemment. Ah, la porte est barricadée. Il va falloir faire le tour. On va prendre tout ça. Il n'y aura personne à l'intérieur. Ah, il y a pas mal de choses par ici. On peut pas tout prendre, hein. Malheureusement. La priorité, c'est la nourriture. Il y a un frigo là-haut, tiens, c'est vrai. J'avais pas fait gaffe, mais c'est vrai qu'il y a un frigo. On va y aller en premier, hein. Sous le coup. Ah, un rat. Ah, pas des biches. Bon, ça va. Une photo de famille avec les parents et les deux filles. Heureusement que les filles ne ressemblent pas à leur père, on dirait un ours. Qu'est-ce qu'on aurait dit de Boris? Trop gaillard. Robuste. Ah. Encore du sucre? Non, plus tard. Ça, non, c'était pas intéressant. Il me faut du bois. Sur le coup, je vais adjanter avec les composants, mais j'ai pas d'utilité pour l'instant. Ah, pièces, si, on va prendre des pièces. On va enlever la baraque, enfin les morceaux de bois qui ferment la porte, comme ça.
On va être un peu plus à l'aise. Hop, non, Boris. Tu vas creuser et ouvrir le truc. Comme ça sera fait. La prochaine fois, on va pouvoir revenir sans avoir besoin de ces outils. Et ça fera deux emplacements supplémentaires. Attends, j'y pense, mais jour 6, ce sera le jour des échanges. Ah, on va prendre des trucs pour pouvoir échanger, oui. C'est pas bête ça. Parce qu'il y a des trucs de valeur. On va prendre ça. Ça m'en fait beaucoup de pansements, mais. Je peux s'attendre. On va explorer tout ce qu'il y a pour voir ce qu'il y a des objets de valeur. La note sur laquelle j'ai écrit, le premier jour ils ont cambriolé la maison, deux jours plus tard ils ont tué nos filles. J'ai tiré sur chacun d'entre eux, je ne peux plus utiliser le fusil, il est cassé et enterré dans le jardin. La suite a été écrite d'une main tremblante, si vous dites ceci, inutile de chercher après moi. Ah, porte barricadée, on va l'ouvrir. Il y a quelqu'un à l'intérieur? Non, il n'y a personne. Le boucan, et moi les ondes qui fait, c'est pas discret le pied de biche. Hein. Bon, il a enterré son fusil cassé dans le jardin. Vous savez qu'il y a des trucs à explorer encore. Ouais, ressources, les pièces. Ah non, pas ça. Voilà. Là, il y a quoi sur le lit? De bois, 12 de composants, 4 de pièces, 10 d'eau. Je crois que j'ai fait à peu près ce que je pouvais. Hein. Vu que le restant, je suis un peu booké. Overbooké. On va voir ce qu'il y a dedans. Morceaux de pièces, d'accord. Composants spéciaux. De quoi? Ah, pour les échanges. La cigarette ça a un peu de valeur donc je vais prendre ça. Là-dedans c'est du débris donc je me demande que c'est composants et bois. Et les pièces en plus. Ok. Pareil ici. Pareil. J'ai pas exploré tout ce qu'il y avait en bas. Ces trucs là je les ai pas vus, le placard et les tonneaux et les décombres. Ah bah vous voyez, deuxième cigarette et... Ah pour les trucs de d'armes ça m'en fait un là haut, deux en bas. Ok, je note. Alors ça en fait trois sur place. Encore des pièces et de la ferraille. Des pièces et de la ferraille, ok. Du bois, beaucoup de bois, c'est bien, c'est bon à prendre. Ah, vous voyez, il n'y avait pas ça tout à l'heure. C'est là où il a enterré son fusil, j'imagine. Et deux pièces d'armes, ça fait cinq pièces. Ah, ça, non, c'est pas un fusil, c'est un pistolet. Ok. Bon bah on va pas aller plus loin. De toute façon l'objectif sur le coup c'est de faire à manger, reposer et de faire les préparer les échanges. Ça veut dire qu'il faut que je récupère aussi le comprimé qui est là-haut et le pampan qui est en bas. Bah Katia, tu vas pas te reposer tout de suite. Faut que tu prépares à manger, que tu récupères tout ça et que tu fasses les échanges. Boris va dormir en premier. Chargement, hein. Bah, tout le temps qu'après que la vidéo soit aussi longue, j'ai fait trois quarts d'heure l'autre. Bah, de toute façon, les épisodes comme ça, forcément, ça sera très long. Hein. J'ai parfois des coupes. Hein. Là, je fais de A à Z, pas de montage. Cette nuit, j'ai fait une belle prière, regardez ce que j'ai ramené.
La nuit a été calme, pas de pillage. Merci. Ah, papa, si t'es en bas, tu vas prendre ce qu'il a là. Voilà. On prépare à bouffer, s'il te plaît. Je suis pas misogyne, hein, c'est juste que. Oh, excusez-moi, mais là pour l'instant le bois est trop important pour que je m'amuse à en faire de. Bois de chauffage. Ou de cuisson. Hop, elle mange. Aller récupérer, c'est le comprimé, hein, c'est ça, ouais. Je saigne, mais juste un peu. Bon, tant ça s'aggrave pas. Hein. Oh, il commence vraiment à faire froid. En même temps, 9h du matin, il fait plus froid déjà que l'après-midi, c'est logique. Et voilà mon entremarchand, vous voyez, pile dans les timings. Sur le coup, il y a aussi des pièces. On se boit de chauffage. Ah, ça ferait tellement du bien. Il a plein de trucs aujourd'hui, mais c'est moi qui n'ai pas assez de choses en comparaison. Alors, deux cigarettes. Oh la vache, j'ai vraiment rien, moi. Voilà, la nourriture, si c'est important. Sous-bois de chauffage, ça peut se prendre. Ok, marché conclu, c'est bien. Si je rajoute un sparadrap de plus, voilà, ok. D'accord, avec 12 paradras, c'est déjà pas mal ça. Ok, alors. Vous plaisantez? Bah oui, basta. Qu'est-ce que je pourrais rajouter? Un petit supplément. Ah, il suffit d'enlever les trucs, c'est tout en fait. Allez! Ah, ok. Marché conclu. Parfait. On continue. Un sparadrap. Sur le coup, il me faut du. Ah. La générosité, oui, tu m'étonnes. C'est fait, tout ce qui reste de composants. Ouais, pas forcément.
Oh, misère des misères, comment équilibrer tout ça? Est-ce que niveau pièces, j'ai combien de pièces? 9. Il y a des pièces dans la baraque, donc c'est le coup que je vais revisiter. Qu'est-ce qu'il faudrait pour comme priorité? Compliqué de switcher, j'ai vraiment pas assez à négocier. Alors, je garde deux sparadraps ou je prends le risque d'en prendre un de plus? On a plus de risque d'être blessé qu'être malade de toute façon. Alors, j'arrive à le comprimer, ok. Je vais le faire jouer. Ça coûte combien? Ah, c'est possible? Ah, ok. Ah, bien sûr, je t'en prie. Comme ça, ok. On va s'arrêter là. J'ai vraiment plus rien à négocier. Je préfère être nettement être prudent parce que ça me fout les jetons. Bon, sur le coup, au total, 20 bois, c'est bien. J'ai récupéré des pièces d'armes, parce qu'à mon avis, il va falloir absolument que j'apprenne à me défendre plus facilement, enfin plus d'armes, plus équipées. J'ai pas pu récupérer du sucre, mais bon, j'en ai encore en stock à part dans l'autre baraque. Un peu d'eau, c'est bien, un composant. Ok, qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec tout ça? J'ai déjà fait les barricades. Ah bah oui, je suis bête. Mon compte de chèque, un fauteuil serait le bienvenu, d'avoir des lignes dans les conditions décentes, oui, tout ce qu'il faut. Nous manquons vraiment de livres, bah c'est sûr maintenant. Tasse de café par jour, ah, nous manquons de cigarettes. Bah non. Ah oui! Ah bah non, j'ai pas de pente de tabac, ça sert à rien que je fasse le truc de cigarette. Ce serait plus intéressant de le faire à l'alcool pour les échanges. Mais pour cela, il faut être certain que j'ai de quoi fabriquer de l'eau. Bah on va faire un récupérateur d'eau depuis. Où sont tes cigarettes? Y a pas de cigarettes, Boris. Désolé pour le moral. Hein. On a récupéré des cafés pour Katia, déjà pas mal. Mais pour soi, désolé. Nada! Récupération d'eau de pluie, voilà. L'astuce qu'il faut faire, c'est faire ça à côté des lits. Voilà. Parce que c'est une des premières choses à faire le matin, c'est s'occuper de la récupération de l'eau. Et en général, sur le coup, quand le matin, le personnage va aller se reposer, ils vont aller au niveau des lits. Donc, juste avant de se coucher, ils vont aller faire l'action de. Enfin, de récupérer l'eau, mettre en place la programmation de récupération d'eau. J'espère que je me fais bien comprendre. Et après, quand c'est fait, ils retournent se coucher et ils pourront venir récupérer l'eau dans 4 heures, 4-5 heures. Par contre, il faut des filtres. Et je n'ai pas de filtre. Et les filtres, il faut 3 composants. Donc, on gaspille des composants. Mais bon, j'en ai un peu en stock là, aujourd'hui. J'ai combien de composants? 31. C'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal là. Les composants, excusez-moi, les composants c'est là. On va en faire deux. Un pour cet après-midi et un pour demain matin.
Ça nous fera 4 à chaque fois 4 unités d'eau. Donc on pourra récupérer 4 cet après-midi et en faire 4 demain matin. On va ça à peu près tout, hein. Non, je gaspille des ressources pour faire un fauteuil et des chaises. Je trouve ça vraiment stupide pour l'instant. Chauffage simple, c'est pareil, ça consomme énormément de composants, ça sert à rien. L'alcool, ouais. Bon, j'ai ce qu'il faut pour faire, mais il me faudra beaucoup d'eau. Récupérer le sucre. Ouais, c'est bien pour cet après-midi. Katia remonte la garde et Boris continue de récupérer des matériaux. Des nouveaux endroits ont été débloqués, mais bon, je vais pas m'occuper de ça maintenant. On va se concentrer sous nos premiers baraques. J'ai déjà le nom, le titre que je vais mettre pour le second épisode. Les ennuis commencent. Car c'est le cas de le dire, les ennuis ont commencé. Voilà. On va récupérer les trucs d'armes. Ça va pas manger de pain. Le bois, les composants, ce sera surtout ça aujourd'hui. Hein. Les autres trucs sont un peu annexes. Ah, les pièces. Oui, j'ai pas oublié que j'allais prendre des pièces. Il y avait quoi déjà en bas? J'ai déjà oublié ce qu'il y avait en bas. Ah oui. Ah, les trucs spéciaux. Oui, je prends. Oh, bah, on va tout prendre. De toute façon, on fera le tri dans les autres endroits. Sous le coup, nounours et le bouquin, et ça à part. 4, 8, 12, 2, 4, 6, 8, 10, 12, d'accord. Et là, 4, 8, 12, 16, 20, 21. Faut absolument récupérer les composants. Manger du sucre, c'est à part. On verra ça vraiment plus tard. Termine ce qu'on a là. Les munitions, de quoi faire des munitions et cigarettes. Non merci, même si j'aurais bien aimé les cigarettes, mais non. Non, 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 non. Il n'y a pas d'échange demain, l'échange ce sera au jour 9 alors. La pièce. Ah, il est déjà complet l'arme. Bon, ça on va quand même prendre, hein, c'est compléter. Enfin, sur le coup, le pistolet est à part. Hein. Quoique non, sur le coup, j'ai déjà 3, là ça fait 7. On va prendre les pièces. Il y a quand même les pièces. On peut en avoir en échange, mais ça coûte cher, donc autant avoir un stock chez soi. Ça, c'est des composants et de nounours, encore une fois. C'est sympa le dessin de l'Indien là. Ah, on peut pas prendre plus. Bon, bah. Ça ira pour cette nuit. Hein. On va essayer de compléter ce qui reste en ressources demain.
On va prendre le sucre, par contre, il va falloir absolument prendre le sucre. Et le restant, bah, ça sera des bonus de prochains jours. Bonjour, regardez un peu tout ça. J'aimerais pouvoir en ramener autant chaque nuit. J'espère qu'il s'est pas blessé. Et la terre? Ah, c'est bon, d'accord. La nuit a été calme. Boris a cherché des provisions et a ramené des choses intéressantes. Allez, commencez à vous reposer maintenant, les enfants. Là, vous voyez, mon estomac gargouille. Bah oui, bah. Tu m'étonnes. Ah, y a quelque chose à dire, Katia? Ah, son histoire. Je suis la seule restante parmi toutes mes amies et ma famille. J'ai rencontré des célébrités, les lecteurs trouvaient mes interviews amusantes et percutantes. Pourtant, quand j'essaie d'écrire sur ma vie, je sèche. Je veux retrouver ma famille et serrer mes parents dans mes bras. Pas écrire sur eux. Si seulement j'avais passé plus de temps avec eux. De la mélancolie, Katia. De la mélancolie. Et voilà, Joseph. Récupération en cours. Tout le monde au dodo. Et on a 26 unités d'eau, c'est bien. Du bois, des composants, des pièces. On va pouvoir avancer un peu. Degrés, hein. Il fait de plus en plus froid, ma parole. C'est le silence. Pas des anneaux, des agneaux. Désolé. C'est un peu délire. Oh là 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 là. Bon, rien à signaler aujourd'hui? Pas d'intrusion extérieure? Non, c'est bien. Parfait, parfait, parfait. Hein. On a repris au jour 4, on est au jour 7. C'est vrai que comme j'ai dû passer rapidement une journée, une nuit sans rien faire, on a été un peu plus rapide dans le timing. Hein. Mais on est quand même à 40 minutes d'enregistrement. Ça veut dire que. Encore faire une nuit et après je m'arrêterai là. Je m'arrêterai là. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer d'améliorer l'atelier métallurgie. Voir ce qu'on peut faire de trucs intéressants. Pour améliorer l'atelier. C'est quoi, Boris? Je sais ce que tu vas faire, Boris. Tu vas refaire un filtre pour ce soir, pour l'après-midi. Ça, c'est pas con, ça. Voilà. Hé, hey, Katia, je sais que qu'est-ce qu'on va faire? Le piège pour animaux, mais bon, il faudrait de la nourriture, tout comme ça, pour pouvoir en piège et. C'est un peu risqué pour l'instant, j'ai pas un stock important. Hop. Allez, amélioration. On va améliorer la télémétallurgie. J'ai ce qu'il faut, j'ai les pièges, j'ai les. Ah, 30, mais bon, j'avais bien fait, vous allez de récupérer.
ça permettra de pouvoir réparer les armes, d'améliorer l'atelier, mais bon, le truc c'est que j'ai pas de munitions, donc l'arme ne sert à rien. T'as faim, Katia? Je sais. Va écouter la radio, tiens. Va écouter la radio. Quant à toi, Boris. Maintenant. Lame de scie. Ah oui, parce qu'il y a des endroits, il y a les barreaux pour ouvrir, qui bloquent le chemin. Donc c'est bien d'avoir une scie pour pouvoir couper. Donc vous voyez, il faut 5 de pièces d'armes pour et un pistolet cassé pour le réparer. 7 pour ce qui est du fusil à canon. Si on avait un casque endommagé, on pourrait le réparer. Bon, ça, on fait toujours. Le décrochetage peut toujours faire, la pelle pareil. Et là, la hachette. Et là, honnêtement, je vais faire la hachette. Maintenant, car comme ça, je vais pouvoir casser des éléments de bois et récupérer du bois de chauffage en plus. C'est vraiment un investissement intéressant, je crois. Nous attendons une amélioration progressive de la température au cours des prochains jours. Un changement bienvenu. Je suis d'accord, ça permet de reporter la création de la chaudière. Nos atrocités. La ville de Pogoren souffre d'une pénurie extrême qui va jusqu'à toucher les provisions les plus essentielles. Si ça continue, les gens vont se mettre à fouiller la ville à la recherche de choses utiles. C'est déjà le cas, mon très cher. Bon allez Katia, tu vas refaire un filtre pour la fin de journée. Et Boris va se mettre à jouer de la hachette. Ah oui. Quoique, tu sais quoi, Katia, tu vas te préparer à faire ça là-haut parce que Boris n'est pas à côté. Hein, le temps qu'il fasse le voyage, tu vas pouvoir t'occuper à faire aussi les autres. De toute façon, que ce soit toi ou Boris, il y aura la même quantité de production. Hein. Voilà. De bois et 7 de chauffage. Ah, c'est rentable. Chacun votre tour. On va faire ça avant qu'il soit 8h, ce sera bien. 7 de bois et 4 de fan. Parfait. De bois, 3 de chauffage, ouais. Un peu plus moins intéressant. Et là, ça dépend de la taille du meuble qu'on casse en fait. Ça paraît logique, c'est pareil logique. 7 de bois, 4 de chauffage. Et ben, franchement, niveau chauffage, 32. Ah, bah alors là, j'ai un stock incroyable, c'est cool ça. 38 de bois, parce que du coup, je vais pouvoir me concentrer à récupérer que des copeaux dans la maison et les autres bricoles. Vous mangerez demain. Nom de Dieu. Ah bah tu sais quoi Katia, j'ai une très bonne idée. J'ai récupéré tellement de bois que j'ai récupéré pas mal de composants après. Je pense sincèrement, que je vais pouvoir me permettre carrément un fauteuil. Alors sur le coup le fauteuil, je vais le mettre à côté de la radio. C'est très bien ça. Est-ce que tu auras le temps de le monter par contre? Je suis pas sûr. Ah non, pas fini. Bon, monter la garde. Boris, hop, voilà. Besoin de la hachette pour... Non, 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 pas besoin de la hachette. Il n'en a pas besoin. Ah.
45 minutes, ça va encore être une longue vidéo. Hein. Aïe, 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 aïe. De toute façon, ça, les vidéos ne font pas plus d'une heure, hein, faut pas rêver. On va commencer à récupérer tout ce qui est à l'étage. Comme ça, au moins, ça sera réglé. Pas de cours, je voudrais bien terminer l'enregistrement parce qu'après, bah. Après, bah, ça sera tout pour cet épisode. Hein. Épisode 2, les ennuis commencent. Je laisse les munitions de côté, franchement ça me sert à pas grand chose. Ah, faut que je récupère le sucre. C'est vrai. Voilà. Pas oublier que j'ai pas besoin du bois, Aurel. Donc je vais redéposer tout le bois pour récupérer la place ailleurs. Je pense que je vais mettre ça ailleurs parce qu'il y a des composants à récupérer en bas. Ah non? Attends, c'est-à-dire que sous le coup, ça y est, tout est pris. Tout ce qui reste. Et là? Ah d'accord, bah ce sera vraiment complet là. Et ben. Voilà, quand même. Je privilégie quand même le matériau. Les bouquins, ce qu'on aura besoin. Ça, pour les échanges, ça peut avoir de la valeur, les nounours, mine de rien. Et c'est 4 nounours et une balle. Alors je pense que le ratio est meilleur que les nounours. Bon, voilà. On se rentre. Et on va pouvoir changer de baraque pour la prochaine vidéo. J'espère qu'on s'est pas fait attaquer, j'espère qu'on s'est pas fait piller. Parce qu'il faut que je bouffe, hein. Encore à terre, ça me fait toujours peur quand je vois ça. Ah oui, elle est à terre parce qu'elle est poisson café. Quelqu'un s'est nouvelé, ils sont venus en force et armés, mais ils n'ont réussi qu'à causer des dégâts mineurs. Par chance, nous étions tous armés, quelqu'un a été blessé et les agresseurs ont presque quelques trucs. Ah bah maintenant, quelqu'un est vraiment blessé. Hein. Maintenant, tu vas prendre le bandage, Katia. Mais bon. Ça sera pour la prochaine fois. On a déjà le cliffhanger à venir pour les événements prochains. Sur ce, c'était Aurélien Orsini. Merci pour cette vidéo. Bon, merci. Pourquoi je remercie pour cette vidéo? À la prochaine.